abordé la situation d'une personne qui nous a fortement interrogé à la TDI dans notre accompagnement, et en particulier sur la protection, la mesure de protection, et à quel prix on peut effectivement favoriser sa propre liberté, sa capacité de décision. Donc c'est la situation de Christian, âgé de 65 ans, atteint de la maladie de Charcot, donc une maladie qui l'a fortement diminué physiquement, et donc des altérations physiques importantes. Nous l'avons rencontré dans le cadre d'un mandat spécial. Donc mandat spécial, c'est-à-dire que le juge nous demande de recueillir des informations supplémentaires pour qu'il puisse effectivement se positionner vers une mesure de protection ou pas. Et donc ce signalement de mesure de protection a été fait par l'assistante sociale qu'il avait rencontré à son domicile, puisque Christian souhaitait avoir plus de maintien à domicile en lien avec sa problématique, hein, qui demandait énormément de soins. Et donc l'assistante sociale se questionnait justement par rapport à ses altérations physiques, de même l'expertise médicale. Et donc nous l'avons rencontré à son domicile dans ce cadre-là. Donc c'est une personne effectivement qui est immobilisée toute la journée dans un fauteuil médicalisé, qui ne peut effectivement rien faire. Il est dépendant pour tous les actes de la vie quotidienne, mais à toutes ses capacités cognitives et intellectuelles. Et donc il a fortement été touché par cette procédure de mesure de protection. Il s'est senti instrumentalisé, puisque effectivement il était totalement en capacité d'expliquer sa situation au regard de ce que pouvait dire l'assistante sociale sur sa protection. Pour lui, il n'en avait pas besoin, il est en capacité d'expliquer son budget, ses charges par rapport à sa maison, tout ce qui est administratif. Il avait suffisamment témoigné auprès de la mairie une certaine solidarité pour qu'on puisse l'aider. Il était proche de sa retraite, donc la mairie du village où il habitait s'était occupée pour faire son dossier de retraite. Et il avait suffisamment de personnes autour de lui de confiance pour ne pas forcément avoir besoin de mesures de protection. Donc ça, c'était vraiment son discours, et jusqu'au bout, il l'a porté avec une énergie incroyable. Il nous a fortement touchés. Donc à la TDI, on s'est interrogé en équipe comment l'accompagner dans ce que rapporter au juge à travers notre mandat spécial, et nous avons priorisé notre action pour lui permettre d'expliquer lui-même sa situation au magistrat, puisque nous, forcément, au regard de ce qu'il pouvait nous témoigner, on ne ressentait pas ce besoin-là de mesures de protection. Donc l'important, c'était qu'il puisse expliquer sa situation au magistrat et qu'il redevienne acteur de sa situation et de son projet de vie. Donc on a écrit un premier courrier, le rapport du mandat spécial qui allait dans ce sens. À chaque fois, je me rendais à son domicile pour lui rendre compte de ce qu'on écrivait, pour que lui aussi, par souci de transparence, et donc il était content de ça, d'avoir ses explications. Et puis il a fini par rencontrer le magistrat qui est venu à son domicile, à 14h en début d'après-midi, comme il le souhaitait, puisqu'il y avait des soins importants le matin. Il a pris énormément d'énergie, comme il l'a fait à chaque fois. Ça a duré une heure et demie, de ce que les auxiliaires de vie, les professionnels nous ont apporté. Suite à ça, le magistrat effectivement a enlevé, il n'est pas allé dans le sens d'une mesure de protection, et donc il était très satisfait de cela. Et il a pris vraiment d'énergie à expliquer tout ça, et qu'il souhaitait vraiment avoir cette capacité de décision. Son intimité était suffisamment mise à mal au quotidien à travers les soins. Il ne voulait pas qu'on mette le nez dans ses affaires. Voilà. Et donc malheureusement, Christian est décédé à la suite de son entretien avec le juge, mais on peut dire qu'il est décédé libre, et en ayant expliqué sa situation, et en ayant porté sa décision jusqu'au bout. Voilà.
voulez laisser ce témoignage sur la longueur, on ne l'a pas monté, on l'a laissé dans son intégralité. Chaque espace d'autonomie est précieux. Je crois que c'est ce que ça nous dit. Et il est important de trouver les moyens de le respecter. Je vois passer là, Isabelle, mais là, vous ne travaillez pas pour vous, vous faites ça. Si, parce que c'est l'accompagnement. Alors oui, on pourrait nous dire, voilà, vous n'allez plus au travail si vous accompagnez les gens à ne pas avoir de mesures de protection. Mais c'est quelque chose, enfin, au quotidien, j'encourage les professionnels. Il ne faut pas protéger à tout va. Il ne faut pas protéger quand ce n'est pas nécessaire. Et il s'avère que parfois, on se retrouve dans des situations où des mesures de protection ont été demandées. Alors, sur des raisons très louables, hein, des professionnels qui entourent les personnes. Voilà. Et quand on rencontre les personnes, on se rend compte que la mesure de protection fera peut-être plus de mal qu'elle ne fera de bien. Est-ce qu'elle protégera vraiment ? Non. Donc cette année, on a encore fait rendre 2 non-lieux à mesure de protection. Voilà. C'était pas bien parce que oui, ça fait de l'activité en moins. Oui, ça fait des financements en moins, certainement. Mais en tout cas, dans notre éthique, oui. On est plutôt fiers de ça et de ne pas dire, voilà, il y a une mesure de protection, donc on va mettre une tutelle, comme ça on aura une tutelle. Après l'investissement d'Anne-Laure, je le souligne parce que ça veut dire que là, il y a eu plusieurs visites à domicile, il y a eu du temps, il y a eu un investissement sur la situation et que le temps, elle l'a pris. Donc effectivement, on manque beaucoup de temps, mais sur cette situation-là, en tout cas, elle l'a pris. Parfois, c'est au détriment d'autres qui sont plus silencieux ou qui sont dans un accompagnement sans trop de communication avec nos services. Mais pour moi, en tout cas, la direction de la TDI, ça ne peut pas être autrement que de dire que s'il n'y a pas besoin de la mesure de protection, il n'y en aura pas. Et que si la personne peut retourner à l'autonomie, c'est notre travail. Voilà. Je ne sais pas, Anne-Laure, elle est là. Est-ce que, éventuellement, sans vous embêter outre mesure, vous pouvez me dire si cette expérience, justement, vous a amené à penser encore un peu plus votre métier, votre action? Oui, en plus, c'était au tout début de mon expérience professionnelle en tant que mandataire judiciaire. Et je confirme, du coup, l'accompagnement, si ça revenait autour de ce type de personnes, je referais la même chose. Et il est vrai, je confirme, qu'on est souvent tiraillé par déjà notre formation initiale. Moi, je suis éducatrice spécialisée de formation initiale. Je suis mandataire judiciaire maintenant. Et on est fortement tiraillé entre le cadre juridique et l'accompagnement des personnes. Donc c'est vrai que sans moyens, ça devient de plus en plus compliqué de faire, d'être plus proche des personnes et de répondre à leur volonté. Quand on est devant ce genre de situation, on peut pas agir seul et le penser seul. On a besoin du collectif, de l'association. C'est important pour un délégué de ne pas se fermer sur son travail en se disant, bon là, je suis professionnel, je dois réussir, et se tourner vers le collectif en disant, là j'ai besoin d'aide pour agir, j'ai besoin d'aide pour réfléchir. Peut-être que c'est pas si simple que ça. C'est sûr. Et là, ça a été le cas pour cette situation et pour plein d'autres. Il est important, effectivement, qu'on en discute ensemble, de par nos formations différentes, nos expériences différentes. Il est important, oui, qu'on puisse apporter une réponse, une seule réponse, mais qui a été à la base discutée collectivement. Quelqu'un veut réagir? Oui, Alain. Alain Zalper. Moi aussi. Ça marche. Si, il suffit de le poser là. Non. Vous m'entendez? Très bien. Très bien. Toujours. Je parle de l'éthique, c'est très important. Moi, je vois, quand je suis rentré à Capendu, vraiment, ça a changé. Parce qu'au début, on était en appartement, en chambre double. Et après, je trouve que l'éthique, il faut que les éducateurs spécialisés soient à l'écoute de la personne. Et il y a des lois qui sont passées et ça va beaucoup mieux. Moi, je le vois personnellement. Moi, maintenant, je suis en appartement thérapeutique sur Capendu et on va déménager bientôt sur Carcassonne. Et on aura notre studio. Et c'est embêtant aussi d'être dans le, dans le foyer, parce que moi, j'ai un ami, je veux pouvoir vivre avec lui, c'est normal.
vivre ma vie. C'est pour ça que on sera plusieurs à partir de l'appartement thérapeutique. On s'occupe bien de nous, si on sait se débrouiller, tout. Moi, je trouve que c'est bien. Il faut que l'éducateur, il soit à l'écoute de la personne et qu'il lui demande si ça va ou si ça va pas. Merci. Merci, Anne. Et je vous encourage à adhérer à l'association, nous aussi. Oui. Ah, oui, d'accord. Il faut les soutenir. La prise de parole. Oui. Bonjour, Jacques Miffre, de la Vieille. Voilà. Et ancien ATDI, délégué à la tutelle. Donc, personne n'est parfait. Voilà, exactement. C'est ces deux regards que je souhaite avoir. Voilà, je ne vais pas parler droit de vote aujourd'hui. Alors, ces deux regards qui me paraissent assez intéressants. Il y a quelques années en arrière, quand j'étais délégué à la tutelle, effectivement, on nous voyait régulièrement dans les institutions, on nous voyait régulièrement à domicile. Vraiment, c'était un travail de protection, vraiment, c'était nos protégés. Là, depuis quelques années, je râlais un peu d'ailleurs, là, dernièrement, parce que beaucoup disent « on ne voit plus les délégués à la tutelle, on ne les voit plus du tout ». Certains disent ça, certaines institutions. Bien. Mais j'ai remarqué quand même, en travaillant avec vous et avec mes collègues de la VDAIM qui remarquent la même chose, peut-être qu'on vous voit moins, mais en revanche, vous êtes très présents. Donc vous avez peut-être changé la méthodologie du travail, je ne sais pas. Mais vous êtes présents parce que les personnes vont directement vous voir. Les personnes vous font appel directement maintenant. Ça veut dire qu'à un moment donné, on parle de la personne actrice, la personne en situation de handicap actrice, elle est vraiment actrice. Moi, ce qui m'embête maintenant, c'est quand quelqu'un vient me voir, me dit « Oh, la TDI, ou l'UDAF, ou la GAT, j'ai du mal à joindre », et c'est tous les jours la même rengaine. Ça veut dire que cette personne, il y a un travail à faire pour qu'elle puisse petit à petit être actrice de son travail avec la tutelle. En revanche, on voit maintenant le bénéfice que nous portons peut-être nous aussi en tant qu'établissement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a suivi la loi qu'on suit tous les jours. C'est-à-dire qu'on crée des commissions citoyennes, comme disait tout à l'heure Laurence Fournès, qui permettent aux gens de s'exprimer, de dire leur désaccord sur des choses, de monter ensemble les règlements de fonctionnement, les livrets d'accueil, de travailler sur le facile à lire, à comprendre, que vous avez fait aussi pour le fascicule, et bravo, parce que vraiment c'est un sacré boulot avec le pays. Hein, et je crois que c'est important, et l'Afdaïm aussi, je ne sais pas si Mme Gégou est là, mais l'Afdaïm travaille ça aussi, et très fort avec les CVS bientôt, et notamment nous aussi aux ESAT centres, on va travailler ça. Il faut absolument que tous, on se dise, oui, il faut donner la parole. Donner la parole. Donner la parole aux travailleurs. Nous, on les appelle travailleurs, mais aux personnes en situation de handicap. Et là, je crois qu'il y aura une avancée majeure. Mais donnons-leur la parole. Voilà ce que je veux dire. Merci. Alors je vais aller un peu à contresens de ce qui vient d'être dit, parce qu'il faut en fait, il faut en fait qu'il y ait la contradiction. Je crois qu'à certains moments, on ne va pas suivre la vie de la personne en situation de handicap, parce que derrière, il y aura un risque physique, oui, psychologique, oui, qui fait qu'il a un souhait, mais qu'on ne suivra pas ce souhait-là. Je peux vous poser une question. À l'institution, ça existe. Je peux vous poser une question. J'ai très envie de faire du parapente. Oui. Et je vous assure que autour de moi, on me dit ne fais pas de parapente. Je vais quand même en faire. Mm-hmm. Et je vais prendre un risque. Mm-hmm. Personne ne va m'en empêcher. Mm-hmm. Comment on peut dire je vais vous l'empêcher, moi, parce que je suis institution, parce que c'est... on protège qui ? On protège l'institution, on protège le côté assurance, ou on protège la personne ? Qu'est-ce qu'on protège ? C'est ma question, juste une question. Et je trouve que c'est intéressant de questionner l'éthique aussi sur les moments où on va être auteur de privation de liberté, et dans les institutions, c'est une vraie question, mais pas que. Donc, à certains moments, on prendra la décision de dire non à une demande d'un résident, étant entendu qu'on aura analysé la situation
qui amènera à cette réponse, qui va être en danger. Alors, on peut aussi prendre la question sous l'angle de ce que vous venez de faire, avec un oui à tout prix dans toutes les situations, mais la réalité, ce n'est pas celle-là. Voilà. Donc je pense que dans notre réflexion, il faut aussi, oser aller sur ce sujet-là. Bien sûr. Mais la, cette idée du risque, je crois, elle est au cœur de toutes les réflexions et de toutes les personnes. Hein, on est d'accord. Oui, bonjour. Oui. Madame Escal, donc, moi je travaille au département sur un service action sociale personnes âgées, personnes handicapées. Nous travaillons beaucoup avec les mandataires judiciaires associatifs ou privés dans le cadre de l'accueil familial, sur l'accompagnement des personnes qui sont accueillies, mais aussi sur les signalants. Le quotidien est notre quotidien. On est là sur l'éthique, sur les bonnes pratiques. C'est en continu de s'interroger effectivement sur une évaluation de situation, sur ce qu'on va faire ou sur ce qu'on peut préconiser, sur ce qu'on va expliquer à la personne. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que c'est dans le respect de ses choix ou pas, est-ce que ce qu'on va lui dire ou est-ce qu'on va faire le signalement qu'on va faire effectivement au parquet peut-être pour demander une mesure de protection, est-ce que ça va pas être plus maltraitant que la maltraitance qu'il subit déjà des fois à son quotidien. Le questionnement, il est là tout le temps, sans arrêt, et parfois, effectivement, ben, on fait pas. Et on fait pas. Et le risque, il y est tout le temps. La société, elle n'est pas sans risque. On a le droit de faire des choix qui sont risqués. Et les personnes, on ne peut pas les obliger à faire des choses qu'elles ne souhaitent pas, de toute façon, et de leur poser des interdits. En tout cas, ça s'explique, ça se discute. Et ça se réinterroge en continu, sans arrêt. Quand il y a, j'entendais Madame Fournaise, une entrée en établissement, on va effectivement écouter la personne qui va arriver, ses souhaits, ce sont lesquels, mais peut-être que 3 jours après, ça sera autre chose. Donc ça veut dire qu'il faut aussi savoir entendre ça. On est à un instant T. On est sur quelque chose des fois de réactionnel par rapport à une personne qui va avoir un comportement ou avoir un souhait de quelque chose et qui se rendra compte après que ce qu'elle a exposé là, ce n'est pas forcément non plus ce qu'elle voulait. Donc il faut sans arrêt être à l'écoute de la personne qu'on accompagne et tous les métiers, tous les professionnels qui font de l'accompagnement social, le fondement de leur travail, c'est de se remettre en question tout le temps dans ce qu'ils font avec les personnes qu'ils accompagnent et dans les actions qu'ils préconisent et dans ce qu'ils leur proposent. Et nous sommes là, enfin, on en débat, je rejoins beaucoup de personnes. Et pour revenir sur la situation qui avait été évoquée avec le petit reportage et sur Anne-Laure, cette personne est forcément, elle est tout à fait en capacité de s'exprimer. Nous sommes parfois obligés, enfin, nous nous sentons obligés à un moment donné de faire une demande de protection aussi pour des personnes qui n'ont pas forcément de problèmes cognitifs ni psychiatriques, qui ont toute leur tête, qui sont en capacité de s'exprimer, de dire ce qu'elles veulent, mais qui physiquement ne peuvent rien faire. Donc quand on est sur des maladies, on est confronté à ça et c'est compliqué de se dire est-ce qu'on fait la demande, est-ce qu'on ne fait pas la demande. Alors, certes, le fait qu'il puisse après y avoir des mesures comme le mandat spécial qui vont permettre d'accompagner plus longtemps et de pouvoir avoir une autre vision, peut-être, hein, des choses, pourra permettre au juge de prendre une décision qui va respecter ce que souhaite la personne et qu'on ne va pas forcément sur la mesure de protection. Mais les services sociaux, quand ils interviennent des fois, interviennent aussi à un moment de crise ou à un moment T. Et du coup, quand la personne n'est pas en capacité de signer, par exemple, des papiers, c'est vrai que c'est l'entourage qui signe, on s'interroge aussi sur la légalité de ce qui est posé là, puisqu'elle n'est pas en capacité de le faire, même si elle en est d'accord. Donc l'intervention qu'on peut avoir à un moment donné, la demande qu'on peut avoir, elle est aussi faite dans ce sens-là. Voilà. L'instant T, Isabelle, c'était quelque chose d'important. On s'adore en permanence, ce qui est pensé à l'instant T n'est plus n'est pas forcément la vérité, n'est pas forcément la bonne chose après.
Et quand on essaie de faire des choses et d'accompagner les personnes, on n'est pas forcément sur essayer de l'accompagner on dit sur une bonne attitude ou une bonne décision ou quelque chose qui sera peut-être une bonne solution pour la personne quand elle est confrontée à un problème. On sera sur des fois la moins mauvaise des solutions, elle ne sera pas forcément bonne. Et ce qui veut dire qu'effectivement, il faut être tout le temps en train de se réinterroger sur ce que nous on fait, mais aussi sur ce que souhaite la personne. C'est pour ça qu'on parle de bonnes pratiques souvent. On essaie de catégoriser les bonnes pratiques. On peut peut-être insuffler l'idée d'une pratique juste. Je ne sais pas si c'est plus simple, mais peut-être qu'une pratique juste, c'est quelque chose qu'on interroge en permanence et que la bonne pratique est plutôt du domaine du catalogue, du prêt-à-porter, de quelque chose que l'on peut plaquer en permanence en fonction des situations. Être juste, c'est être juste à un certain moment. Je suis philosophe là, je n'ai pas de barbe, mais j'essaie. Il y a peut-être quand même une bonne pratique, et oui, je suis d'accord avec ce qui était dit tout à l'heure, c'est celle du dialogue. C'est-à-dire que oui, il faut redonner la parole aux personnes en situation de handicap, parce que le statut même de personnes en situation de handicap a tendance à invalider leur capacité à s'exprimer, à dire quelque chose de juste par rapport à ce qu'elles ressentent, etc. Donc ça veut dire qu'il faut que les uns et les autres, à la fois la personne elle-même et ses accompagnants, relèvent le défi, en tout cas fassent le pari de ses capacités. Donc alors après, ça ne veut pas dire que ce que dit la personne, évidemment, faciliter l'expression de la personne, c'est pas simplement prendre pour argent comptant ou sacraliser ce qu'elle nous dit. C'est le mettre en travail avec elle. C'est-à-dire que, oui, s'il y a effectivement à un moment une question autour de la prise de risque, etc., l'idée, c'est pas de lui dire non, de lui dire oui. L'idée, c'est de travailler avec elle sur pourquoi elle veut prendre ce risque-là, qu'est-ce que ça veut dire dans sa vie, etc., etc. Donc, c'est un dialogue, mais c'est un travail avec elle. C'est l'associer sans arrêt à ce qui va être décidé, y compris quand on va être obligé peut-être de limiter ce qui va être possible de mettre en place. Marie-Claude Delanne. Je voulais dire qu'il y a plein de personnes handicapées qui ne parlent pas. Ce qui ne veut pas dire qu'elles ne s'expriment pas. Et qu'il faut toujours dire ce qu'on veut faire pour eux, ce qu'on veut faire avec eux, et ils montrent leur désaccord souvent par une attitude, par un refus de bouger, un refus de faire. Et puis, quelquefois, ils montrent aussi qu'ils sont OK. Et ils sont contents. Et ça se voit. Même si on ne parle pas, même si on a très peu de compétences, on en a toujours une de dire non. Ou de dire ça ne me va pas, ou ça va me faire mal. Et on ne me respecte pas. Et je trouve qu'il faut faire très attention aux non-verbaux. Parce qu'ils sont, ils existent. Et on peut forcément les blesser, et on peut forcément leur faire plaisir. Et il faut les écouter, même s'ils parlent pas. Merci Marie-Claude. Ça me fait penser à ce livre, le scaphandre et le coléoptère, non, la libellule. Et le papillon. Le papillon, voilà. Merci. Sozic Chégolobris, directrice générale de l'AFDAIM à La Payonze. Bienvenue. Plutôt que d'une pratique juste, je préfère le terme d'une pratique ajustée. Ajustée à la personne, on sort du prêt-à-porter pour aller sur quelque chose de plus adapté. Et dire aussi que, à mon avis, il n'y a pas d'éthique sans courage et sans engagement professionnel fort. Parce que ajuster sa réponse à la personne, c'est accepter que ses propres représentations soient remises en cause. Et c'est accepter que ce qu'on a fait jusqu'à présent n'est plus, à un moment donné, adapté et juste, et qu'il faut sans cesse se demander en quoi mon intervention est justifiée, en quoi elle est nécessaire et en quoi elle est utile à la personne. Et qu'être humain, à mon avis, c'est essayer, réussir, échouer, renoncer, persévérer, et qu'on n'a pas le droit de retirer ces capacités-là aux personnes qui sont déjà en perte d'autonomie ou de capacité, et que c'est essentiel de se rappeler qu'être humain, c'est avoir un parcours
qui est semée d'embûches, mais qui est aussi parsemée de réussites et de belles rencontres. Et que notre travail à nous, c'est avant tout d'accompagner les personnes dans ce qu'elles peuvent être et dans ce qu'elles souhaitent être, sans effectivement faire non plus de discrimination ultra positive, puisque tout un chacun, on n'a pas accès à tous nos désirs, à tout ce qu'on souhaite. Mais rappelons-nous quand même qu'être humain, c'est un parcours, et que chaque parcours est individuel, et que chaque parcours est aussi lié à un instant donné, à un environnement, et que la réponse évolue en fonction de l'environnement dans lequel évolue la personne, et que le handicap est avant tout un manque par rapport à une situation donnée, c'est pas un état de fait d'une personne ad vitam aeternam. Merci. Ah, vous avez dit, oh là, on vous l'a tendu là, je suis désolé. Ce sera l'instinct de la veille. Alors. En fait, peut-être le thème aurait pu être l'évolution de la morale et de l'éthique. Mm-hmm. Dans la pratique, puisque cette pratique, cette pratique, ce sont nos valeurs. Quoi. Et puis, on n'a pas besoin de faire un acte de conscience tous les soirs pour savoir si on a été bon vers la morale ou l'essentiel, c'est la pratique. Et cette pratique, elle a évolué. Notre association, qui a 65 ans de fonctionnement, eh bien, elle n'accueille plus aujourd'hui les personnes comme elle les accueillait il y a 65 ans. Et nos prédécesseurs, ils avaient une aussi grande morale que la nôtre. Mm-hmm. Ça, c'est sûr et certain. Mais aujourd'hui, nous accueillons 1250 personnes en situation de handicap, mais nous accueillons 1250 cas spécifiques. Et madame vient de le dire, il faut que l'on s'adapte à la situation de chaque personne. Donc le défi, il est important, et essayer de positiver, quoi. Où nous en sommes par rapport à un accueil, et c'est ce qui se passe. La parole aux personnes en situation de handicap, 65 ans plus tard, on y aura mis peut-être 65 ans, mais on essaie d'y participer. Pendant ces deux journées passées, il y a les formations de brigade de CVS dans la partie Habitat. La semaine prochaine, il y a encore deux jours de formation de président CVS pour la partie ESA, qui mèneront deux présidents, qui s'éliront certainement eux-mêmes, pour siéger à notre conseil d'administration. Donc aujourd'hui, on est dans un changement de ces valeurs et un changement de cette écoute. Mais il faut qu'en tant qu'association gestionnaire, on ait aussi une réalité du terrain. Et les professionnels ne nous ont pas encore dit ce matin, oh, nos valeurs et cette éthique, on l'adapte aux moyens que l'on nous confie. Puisque quand même, sachez que si vous n'avez pas été lecteur, il y a une personne d'origine brésilienne qui est commissaire de l'ONU, qui a rendu un rapport sur les institutions françaises, qui est une calamité. Quoi. 65 ans d'existence d'associations parentales ne sont pas reconnues. Elles préconisent même l'ensemble des fermetures de nos établissements. Et je suis sérieux dans ce que je vous dis. Donc imaginez ces valeurs, cette éthique, cette morale, si on en a fait un défi très fort, puisque aujourd'hui, les préconisations de l'État français et de notre ministère de tutelle vont dans le sens de ce rapporteur de l'ONU. Quand on lit quelque part qu'il y a une enquête IGAS qui est confiée sur le fonctionnement des ESAT, où on considérerait que nos travailleurs d'ESAT, nous gérons 600 places, la PHIH en gère 400, ça ferait 1000 personnes, elle relèverait du travail ordinaire. Non. Tout ça, ça ne fait plus partie de nos valeurs. Et ça, c'est important de pouvoir aussi le dire. Voilà, excusez-moi, j'ai été long. Oui. La perception de ce rapport est particulièrement contrastée. Il faut le lire de façon approfondie. Et c'est vrai que ça puisse heurter les personnes qui sont sur le terrain depuis très très longtemps. Ce qui n'empêche pas aussi de le relire avec aussi un peu de recul, de se réinterroger. On est là pour ça. Oui. Cécile Carola, c'est une actrice en foyer d'accueil médicalisé à USAP. Donc, je rebondissais ce que disait la dame sur le fait d'ajuster notre pratique. Je suis d'accord avec elle, sauf que nous, on travaille aussi avec du public et un handicap psychique. Et là, l'obligation éthique est de,
de veiller à ce que les personnes non plus ne se mettent pas en difficulté, ne soient pas dangereuses pour elles, ni pour les autres. Donc c'est vrai que c'est là où l'éthique, où la limite est difficile à juger et que le questionnement est permanent. Et dans le cadre d'un départ sans consentement, avec notre consentement, on ne peut pas obliger les personnes à rester dans l'institution. Si elles désirent partir en appartement, nous travaillons aussi une alternative en proposant des solutions intermédiaires, mais si la personne ne le souhaite pas ou ne le veut pas, qui accompagne à ce moment-là? Quelles sont les limites, de notre accompagnement? Voilà. La responsabilité éthique et puis la responsabilité peut-être juridique, le droit. Isabelle, sur ce sujet, je fais toujours appel à vous dès qu'on parle de droit, de juridique. C'est mon joker. Oui, mais alors là, la réponse, c'est compliqué. Non, avec des questions, ce matin. Oui, il n'y a pas vraiment de réponse, c'est très compliqué. On va peut-être, ce sera déroulé tout à l'heure sur le déroulement du comité éthique. Je vais en profiter pour vous répondre et répondre à M. Aubisson, parce qu'on ne dit pas oui à tout dans la tutelle. La situation qu'a présentée Anne-Laure, c'est une analyse de situation. Il y a un service social qui pense qu'il faut une protection, et il y a une analyse de situation. Et sur l'analyse de la situation, il y a une décision qui est prise, qui là va dans le sens de la personne. Il y a beaucoup de fois où ça ne va pas dans le sens de la personne qui ne veut pas de mesure de protection qui est imposée par un juge. Voilà. Même si on lui dit « faites la demande vous-même, ça va bien se passer », quand on lui dit qu'on lui retire la carte bleue, ça se passe un petit peu moins bien. Après, sur la responsabilité du soin, c'est des questions qui ont pu se poser, par exemple, sur le soin, parce que le tuteur... Donc il y a des nouvelles lois qui sont passées le 23 mars... Alain, vous pouvez voter, vous pouvez vous marier, voilà, vous pouvez décider d'être opéré. Non, mais vous pouvez maintenant. Sans l'accord du juge, Alain. Voilà. C'est pas une obligation non plus de se marier. Hein. C'est la loi du 23 mars 2019. Donc effectivement, toute l'évolution de la loi va dans la prise en compte des libertés et de la parole des personnes. Sur le soin, c'est compliqué. C'est des questions qui se posent. On va y revenir tout à l'heure. Oui, c'est pour ça. Oui. Pas forcément. Bon, voilà. Il n'y a pas de réponse. C'est-à-dire quelqu'un qui refuse du soin. Il y a des fois où on peut signer, par exemple, une autorisation. On peut signer un soin sous contrainte. Après, travailler avec quelqu'un, quand on a signé un soin sous contrainte, c'est quand même très difficile quand il sait que vous êtes l'objet qui l'a hospitalisé. Parce que vous n'êtes plus dans un accompagnement, vous êtes la personne qui l'a hospitalisé. Et la personne, elle refuse le soin ou alors elle est dans le déni de la maladie. Le déni de la maladie fait qu'elle n'accepte pas du soin. Aujourd'hui, on n'est pas paré, je pense, dans nos institutions, organisations. Voilà. Donc, ce sont les sans solutions. C'est pas joli. Hein. On va le ranger dans sans solutions, dans et réflexion, donc à réfléchir. Ce sont des situations qui se retrouvent à la MDPH dans le cadre de la réponse accompagnée pour tous, parce que ces personnes ont du trouble du comportement, ont des violences. Qu'est-ce qu'on peut faire? Oui. Oui, Marie Bouvain, je travaille à la MDPH et je suis notamment chargée de l'organisation des groupes opérationnels de synthèse et des plans d'accompagnement global. Qu'est-ce que c'est un groupe opérationnel de synthèse? Parce que là, moi, je ne peux plus suivre. Donc, dans le cadre de la réponse accompagnée pour tous, effectivement, la MDPH a pour mission de coordonner des partenaires autour de situations individuelles. Donc pour lesquels on rédige des plans d'accompagnement global, des engagements. Ces plans d'accompagnement global, on peut les solliciter auprès de la MDPH pour des personnes qui n'arrivent pas à mettre en place leur orientation dans les établissements. Donc il faut avoir, ce sont des critères cumulatifs, et qui ont eu des refus d'établissement, et qui sont en danger soit pour elles-mêmes, soit pour les autres. Et dans ce cadre-là, elles peuvent solliciter donc la mise en place d'un plan d'accompagnement global au sein de la MDPH, et la MDPH va convoquer les partenaires autour de cette situation. Et donc ce sont des groupes opérationnels de synthèse. La réunion partenariale s'appelle groupe opérationnel de synthèse, à laquelle est systématiquement associé l'usager, ou sa famille, ou son tuteur, et quand il est possible qu'il soit là, on fait cette réunion en présence de l'usager. Quand il ne peut pas, on reporte la réunion. Donc c'est tout le temps avec, qu'on construit avec la personne. Et sur des situations effectivement très, très complexes. Et
Donc on essaie de travailler sur, sur toutes les facettes hein, de la personne et de son orientation, avec une orientation cible. Et effectivement, on parlait d'éthique et de réalité. Là, pour le cas de la réalité de l'offre médico-sociale, hein, on connaît hein, la réalité de l'offre médico-sociale, des places en IME, en femmes, en masse, voilà. Et donc, il faut construire ensemble, avec les partenaires financiers, avec les établissements, avec l'usager, un parcours jusqu'à cette orientation cible. Et effectivement, se pose la question de la temporalité, en fait, c'est surtout ça aussi. Il y a des personnes qui sont... C'est de la temporalité. Il y a des fois où on est prêt, et des fois où on n'est pas. Des personnes de leur famille. J'ai l'impression que toute cette mise en place doit prendre du temps. Donc, oui. Est-ce qu'on n'est pas anachronique au bout d'un moment entre la situation qui a dû évoluer et toute cette mise en place? Alors, on se voit très souvent. Pendant cette réunion, chaque partenaire prend des engagements et on construit le projet de la personne au fur et à mesure et on se revoit de façon régulière. Je pense que beaucoup de personnes pourront en témoigner aussi, des établissements participent, hein, beaucoup sont très actifs et heureusement très très actifs et répondent toujours présents. Tous les partenaires autour de ces situations, et on arrive à construire avec l'usager, avec la famille. Et effectivement, quand la famille ou l'usager est là et devient acteur de sa situation, ça fonctionne beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Merci, merci pour votre témoignage. On va rester dans ce domaine de la légalité, quand on s'interroge par rapport au droit, par rapport à ses propres valeurs, avec un extrait qui évoque le problème des addictions. Et c'était en 2017, le témoignage de Guillaume Soukaï qui nous révélait sa situation à ce moment-là, et on en parle après.